Salut à tous, on est parti pour Ça coule de source à 100%. Donc là, il n'y a pas grand chose, on va faire le serpent, la tentacule, on va faire un peu le ménage, et on va s'ouvrir le chemin. Voilà. On va faire les deux serpents pour récupérer la pièce, et juste là, il y a aussi la première poule aux œufs d'or. Avec une torche, donc on va la récupérer. Alors là, on fait gaffe à la tentacule. On se fait le serpent. On va faire le piranha pour être tranquille. Et on va aller récupérer la passerelle pour aller chercher le levier. Voilà. Et on va recommencer. On va essayer d'aller tuer la plante en haut. Voilà, parce que là, il y a aussi une poule aux œufs d'or. Alors, faut faire très attention, la torche, on peut la louper. Voilà, j'ai tout, je vais pouvoir continuer. Alors, le piranha, je vais essayer de me le faire tranquillement, voilà. Avec un peu de chance, plus je pourrais aussi le détruire. Très bien, il m'a pas tiré dessus. Alors là, il va y avoir une pièce, je vais aller la récupérer avec la torche. Voilà, il n'y a plus rien. Et donc là, je vais aller chercher le passage secret. Qui, voilà. Qui va me permettre de récupérer la torche et les différentes pièces. Et maintenant, je vais tout récupérer. Je vais pouvoir avancer. Ça m'évite aussi d'avoir à gérer toutes les scies en haut. Donc là, je vais aller récupérer la pièce sans trop m'approcher. Je me fais le piranha. Voilà, je me cale en haut. Et là, il y a une autre poule aux œufs d'or. Ah, il y a plein de pièces ici. Voilà, on s'occupe de lui. On se fait la torche. On continue comme ça, et là, on va à l'écran suivant. Donc là, il y a une torche, il n'y a pas de pièce, il y en a une là, et il y a la poule aux œufs d'or ici, la dernière. Je vais me faire le ménage, maintenant il va falloir me prendre un chemin. La bague est sur le chemin, donc ça sera difficile de la louper. Là, il faut que je fasse très attention. C'est bon, j'ai eu celle-là, le piranha aussi. Maintenant, on devrait pouvoir accéder à la fin du niveau tranquillement. Voilà,